Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour l'épisode numéro 5 de notre Let's Play sur The Legend of Zelda Nimpai's Adventure. Je mets en plein écran évidemment. Et on est donc reparti pour cette aventure qui a à peine commencé en tout cas et qui est déjà assez folle. On dirait vraiment une version à Master Quest de Zelda Ocarina of Time, mais en mieux parce que bah je trouve que le fait de pas savoir à quoi t'attendre. Pourquoi ça lag comme ça? Le jeu a quelques défauts de lag, on le voit. Et du coup, oui, c'est clairement ça, puisque tu sais pas à quoi t'attendre, c'est un peu les objets trouvés à droite à gauche, c'est vraiment plutôt pas mal. La dernière fois, on est tombé sur un donjon dans les bois perdu. Malheureusement, on ne va pas pouvoir le finir, puisque, bah, clairement, oh tiens, il y a un coffre. Clairement, il nous manque un item, hein, on avait bien compris. Oh, c'est un troll. D'accord, ça faisait longtemps ça. Du coup, ben, d'ailleurs, on l'a vite compris avec les sculptures là qui étaient accrochées sur les murs, on pouvait pas les attraper à distance. Ça veut dire que je pense du coup qu'il va nous falloir le boomerang. Hein. Ça paraît logique. Hein. Et en fait, il fallait taper comme ça, évidemment. Donc, on peut finalement aller là. Vous vous souvenez? On est donc au village Goron. Oh, il est envahi de Dodongo. Tiens, pour changer. Alors attends. Ok, et demain. Et de deux. Donc du coup, on va se débarrasser de tout ça. Avant toute chose, et j'en profite du coup pendant qu'on combat ces machins, ne pas oublier de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Car comme vous le savez, c'est très important pour le référencement du contenu de la chaîne, pour que YouTube me mette plus facilement dans son bel algorithme, hein, évidemment. Et ça, ce sera grâce à vous. Et en même temps, vous pourrez profiter de ce joli contenu. Nous espérons atteindre les 170 abonnés prochainement, qui est notre prochain objectif, évidemment. On va prendre un petit cœur, ça mange pas de pain. Ah, il y en a vraiment partout. Hein. Ils ont blindé la zone de Mongo. Il est mort. Je suis bloqué. Oh mince. D'accord, est-ce que
Bah, je me suis retrouvé complètement coincé. Pourquoi? Oh la vache. Je suis coincé comme ça. Attends. Ouais, je me suis retrouvé complètement coincé. Attendez. C'est pas très grave, on va revenir en arrière. Je sais pas ce qui s'est passé là pour le coup. Attendez, je suis en train de réfléchir. Je suis juste en train de réfléchir. Bon, on va revenir comme ça. Désolé, je bombe. Ah là, ils n'ont pas trouvé de solution, là. Ils m'ont complètement coincé. Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Ouais, encore ça. Bon. C'est pas prévu au programme, ça, logiquement. Surtout qu'en plus, on pouvait atteindre l'interrupteur que comme ça. Hein. Ah non, c'était pas réellement coincé. Va se débarrasser de lui. Et deux. Et trois. Il est mort. C'est lui. Hop. Et deux. C'est fini. Ça va être à nous. Tac. Attention les yeux. Échec et mat, mon ami.
Sinon j'ai des marques qui les vendent à 3-4 000. Non? Ok. Oula. C'est la caverne d'Ali Baba ici. Qu'est-ce qu'on loot? Sac de bombes. Ce qui fait que dorénavant, on peut éclater les rochers. Second coffre contient. On voit pas à quoi ça sert, mais ok. Et ça. Ok. Ah, on a loot un item très pratique avec les bombes. Hein. Mais c'est pas le bon. Hein. Donc je pense qu'à mon avis, il va falloir faire autre chose avant. Alors il y a le chest là-bas, hein, je l'avais vu. Qu'est-ce qu'il va falloir faire? Alors il y avait les rochers au tout début. Ça vaut la grille, ça. Et là, il m'en donne bien 20 pour le coup, hein, parce qu'on a vu qu'il y avait des jeux, c'était pas ça. Hein.
Ok, bon. Et ici, on a quoi? Death Mountain Trail. Oh là là. C'est bazar ici. Ah. Oh, ils ont changé la musique. Oh, la musique à l'ancienne. Cacarico Village. Punaise. Ça n'a plus rien à voir avec ce que je connaissais avant. Hein. C'est juste pour tester, désolé. Sauf qu'en faisant ça, ils vont me voler. Oh la vache. Ce jeu est cruel, hein. C'est perdu. Bon bah la fée va être utilisée malheureusement. Je peux rien faire. On en récupérera une plus tard, on va pas faire des allers-retours pour une fée à chaque fois. De toute façon, c'est le jeu, hein. Il va falloir monter là-haut.
Échec et mat, malheureusement, c'est perdu. Ouh, ya 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 Quelle galère ce jeu. On va s'en sortir, y a pas de raison. Ah. Qu'est-ce C'est une dinguerie, ça. Death Mountain Crater. Ah non! Oh merde, la caméra! Putain. Bon, je vais recommencer devant là. Ah, la caméra qui m'apprend que... qui s'est retournée, qui a pivoté d'un coup. Ah, faites pas ça, c'est pas possible. Bon, du coup, on est revenu ici. Donc ça. Là, on peut pas faire grand-chose. Ah ouais, ça n'a aucun sens, hein, ce jeu. Hein. Ça, c'est quoi? Y a un chess qui a pop. Il est où? Voilà.
Fais voir. Oh là qu'est-ce que c'est? Ouais, on va pas le cracher dessus, très clairement. On n'a plus rien à faire là, du coup. Ah, j'étais en train de me dire, je suis où, mais... C'est bizarre, j'ai pas besoin de la tenue. Ouais. Effectivement, je suis censé, hein. Oh là, qu'est-ce que c'est encore ça? Là, y a rien. Ça, c'est quoi? Oh! On va de surprise dans cet endroit. Voilà. Ah, le bruit que j'entendais, on aurait dit un lic-lic. Et on tombe sur un donjon comme ça. Aïe. Ah, ça, c'est intuable en étant enfant. Hein. Oh là 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 là. Comment est-ce que tu fais pour le tuer, ça déjà? Ah, tu tues pas? Allez, hop. Aïe, 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 aïe. Mon Dieu. Ah, tu peux... contre ça, tu peux rien faire. Je sais même pas si tu peux les figer. Ah si. Ils prennent R, zéro dégâts. Là, j'observe, hein, simplement. Oh, c'est une horreur, hein, ce truc, hein. En dessous. Non, je voyais pas ce que c'était en fait. Ça c'est quoi? Il va falloir se débarrasser de ça. Bon, je suggère qu'on s'arrête là du coup pour cette vidéo, hein, puisqu'on aura découvert encore hein, plein de choses. C'est des surprises à chaque fois dans ce jeu. C'est des choses qu'on connaît finalement. C'est des endroits qu'on connaît de base, mais ils sont pas du tout assemblés de la même manière, ce qui fait que tu peux t'attendre à tout et n'importe quoi. Et c'est plutôt bien foutu, j'avoue que j'aime bien. Et donc on se retrouve la prochaine fois pour la suite de cette aventure. Merci beaucoup de m'avoir suivi. À très bientôt. Ciao.